Vous êtes venu au CITEVI, vous y avez été distingué avec un prix de l'innovation. En quoi ça consiste ? Alors on avait tout simplement pour objectif de créer un système de traitement confiné, hein, donc limiter un maximum la dérive, mais tout simplement en conservant des performances élevées en termes de traitement. Et par ce système-là, on a la capacité d'avoir un traitement en récupération dans une zone confinée à des vitesses de travail relativement élevées. On a un système de rideaux latéraux qui, tout simplement, capte les éléments chargés de produits phytosanitaires et les oriente vers la partie basse des panneaux qui ensuite, par des systèmes de pompes récupératrices, sont réinjectés dans la cuve principale. Alors l'avantage pour l'utilisateur, c'est qu'il fait un gain considérable et une économie de produits. Et en plus, tout simplement, il a la possibilité d'optimiser en fait vraiment sa capacité de cuve. Alors on sentait qu'on avait une réelle demande, il y a aussi une prise de conscience, je pense, des enjeux environnementaux à venir. Et surtout, aujourd'hui, on répond à une demande, car un retour à la récupération ou au panneau récupérateur, oui, mais avec des conditions, c'est-à-dire ne pas chuter en rendement et en vitesse de travail. Il y a une légère différence de prix, tout à fait, de par sa technicité, mais qui est très vite rentabilisée de par l'économie de produit.